Und so lebte die Prinzessin friedlich und glücklich mit ihrem Prinzen in ihrem Schloss. Ende. Schlaf schön, Stella. Mais maman, pourquoi j'allais au lit? Je ne suis pas du tout fatiguée. Mais Stella, on en a déjà parlé. Il fait nuit alors. Tu dois aller au lit. Tu dois être en forme pour l'école demain. Mais si tu dis que j'allais au lit quand il fait nuit, ben, si c'était le jour en permanence, je ne devrais pas aller au lit. Peut-être, mais là où on habite, c'est impossible. Regarde. Je te mens. Donne-moi ton globe et une lampe. Tu vois, la Terre, elle est ronde. Nous, on est ici, à Saarbrück. Wenn ich nun die Erde drehe und die Sonne von hier kommt, halt, schalt mal die Lampe an, dann ist für einen Moment hier in Saarbrücken hell. Dann ist der Tag. Und hier, wenn wir aus dem Sonnenstrahl raus sind, dann ist es Nacht. Ganz einfach. Aber was ist, wenn sich die Erde in Wirklichkeit nicht so dreht? Vielleicht ist das ja gelogen. Du meinst, wenn sie sich nicht so um die eigene Achse dreht? Nein, das stimmt. Ich beweise es dir. Aber nachts gehst du ins Bett, okay? Na gut. Wie kann ich es dir am besten zeigen? Ah, ich weiß. Ich glaube, ich müsste noch ein altes Projekt aus der Schule haben. Alors, ce qui se trouve dessus. Mais d'abord, on installe le projet. Donne-moi deux ou trois bonhommes de ta collection de Lego. Oui, d'accord, tiens. Et maintenant, on va le placer ici, dessus, pour représenter les gens sur la Terre. Et ça fait quoi ce genre de boule attaché là-haut? Ça, c'est l'expérience. Attends, ça devrait être sur la présentation. Donc, l'expérience que je te montre est le pendule de Foucault. Ah, le voilà. Waouh, der ist ja ganz schön alt und nicht gerade hübsch. Oh Stella, on se voit pas des gens, d'accord? Oui, maman. Aber ganz ehrlich, wirklich hübsch ist er ja nicht. Ist halt eine andere Generation. Nicht so wie dein Freund Leon aus der Schule. Hm, Mama? Okay, okay, ich höre schon auf. Machen wir weiter. Donc, Leon Foucault. Warte, der ist auch Leon? Ja, deswegen ja. Léon und Léon. Maman, tu peux arrêter de parler de Léon? Ok, ok. Donc, Léon Foucault était astronome et physicien français. Le 3 janvier 1851... Maman, sérieusement, tu me fais un discours de lui. On n'est pas en cours d'histoire. Mais c'est quand même important. Comme ton cours d'histoire demain. Aber du fasst dich bitte kurz. Ok, ok. Dann können wir das mit den ersten Zahlen, den ersten Versuchen von überspringen. Und komm direkt zur Erklärung. Einverstanden? Finde ich gut. Mal sehen. Ah, tiens. Ici, tu as une photo du pendule en 1851, quand Foucault l'a présenté au public. Waouh, c'est vraiment une très belle image. Oui, c'est vrai. Ici, tu vois la photo d'aujourd'hui. Donc, tu vois le pendule accroché au plafond du Panthéon. Et en bas, un cercle avec 24 nombres et un petit espace. Tu vois ici, sur la présentation, la même chose qu'ici. Du meinst, hier die Kugel an der Schnur, hier die Platte, die Erde darstellt und sogar meine Lego-Figuren, die Menschen darstellen sollen? Oui, exactement. Commençons donc l'explication. Il y a deux points de vue différents. Le premier est celui des petits bonhommes là-dessus, et le deuxième est celui qu'on observe de loin. Du meinst, einmal befinden wir uns auf etwas, was sich dreht, und das andere Mal sehen wir von weitem, wie sich etwas dreht. Richtig? Exactement. Donc, les personnes là sur la photo beobachten also von welchem Beobachtungspunkt von aus? Dem ersten Beobachtungspunkt, da die Menschen sich auf der Erde drehen. Exactement. Commençons donc l'explication de ce point de vue. Ici, tu vois différentes photos zu verschiedenen Zeitpunkten. Und du sagst, wo das Pendel sich befindet und worin es geht, ja? Okay. Also hier, das erste ist um 9:30 Uhr. Donc, le pendule se trouve en ligne verticale et bascule du sud vers le nord. Exactement. Et ici, à 12h30, na, das Pendel hat sich im Uhrzeigersinn weitergedreht. Comme ici, à 15h, il s'est mis de nouveau à tourner. Et à 18h30,
wieder weiter bewegt. Exactement. Und das bedeutet jetzt? Na, das bedeutet, dass wenn wir ein Pendel von der ersten Perspektive aus beobachten, das Pendel seine Richtung verändert. Continuons donc l'explication du deuxième point de vue. Brauchen wir dafür dein Projekt? Darf ich das Pendel schwingen? Okay, und du musst auch noch die Platte bewegen. Aber schön gleichmäßig. Aber sei vorsichtig. Ich weiß nicht, wie stabil wir das Ganze damals gebaut hatten. Okay, so, und jetzt? Jetzt siehst du, dass das Pendel immer gerade pendelt. Also ihr könnt auch mal gucken. Das Pendel pendelt ungefähr gerade, obwohl sich die Erde dreht. Ça, c'est à cause de la force Coriolis. Wow, tout plus cette force. Attends, je crois qu'on devrait encore avoir une vidéo qui explique cette force sur un autre exemple. Donc, ce monsieur, c'était ton petit copain? Ach, da waren damals so viele. Keine Ahnung. Egal. Donc, die point de vue du Monsieur, sieht man, dass der Wasserstrahl seine Richtung verändert. Und von außen betrachtet, sieht man, dass der Wasserstrahl eigentlich ganz gerade fliegt. Also, genau das Prinzip vom Pendeln. Nur ein bisschen leichter. Oui, c'est vrai. Attends. Je crois qu'on devrait encore avoir une animation qui explique tout ce principe avec le pendule un peu plus facile. Ok, verstanden. Und was hat das jetzt mit dieser Lücke der Zahlen auf dem Bild in Paris zu tun? Du meinst das Bild hier? Ach ja, stimmt. Das wollte ich dir noch erklären. Also, die Zahlen repräsentieren die Stunden, die das Pendel braucht, um sich zu bewegen. Donc, si le pendule par exemple au 20, il a donc besoin de 20 heures d'aller du 1 au 20, c'est ça? Oui, exactement. Et pourquoi il a besoin de plus de 24 heures? La Terre n'a plus besoin de 24 heures pour se tourner et faire sur elle-même? Schon mal vorweg, direkt am Nordpol und am Südpol würden es nur 24 Stunden sein. Das liegt an der Strecke, die das Pendel zurücklegt. Attends, je te réexplique. Donne-moi un de tes bonhommes. Si je le place directement sur le pôle nord et je tourne la Terre, dis-moi la trajectoire qu'il a parcourue. Ben, à part qu'il s'est tourné une fois sur lui-même, il n'a pas parcouru de distance. Exactement. Und wenn ich jetzt die Figur weiter in Richtung Äquator bewege und nun die Erde drehe, wird er eine kreisförmige Strecke zurücklegen. Und das ist der Unterschied. Je länger die Strecke, die das Pendel zurücklegt, desto länger braucht das Pendel, um sich zu drehen. Das liegt an der Kraft, die durch die Drehung des Pendels aufhebt. Donc si le pendule au pôle nord a besoin de 24 heures pour faire un tour, il a donc besoin à l'équateur des centaines de millions d'heures pour faire un tour, weil sich die Drehkraft dort fast ganz aufhebt? Nicht nur fast ganz aufhebt, sondern ganz aufhebt. Donc ça veut dire qu'à l'équateur, le pendule a besoin de 0 heures pour faire un tour, car il ne tourne pas. Exactement. Ici, encore une animation qui l'explique. Ah ouais. Et maintenant, on vient au calcul. Donc, la formule est 360 fois sinus de la latitude du lieu. Donc, on avait déjà dit, pour le pôle nord et le pôle sud, c'était 24 heures. Et pour l'équateur, c'était 0 heures. Für Saarbrücken sind es dann 31 Stunden und 42 Minuten. Und für Paris, wo es Foucault ausprobiert hat, sind es dann 32 Stunden und 18 Minuten. Donc Foucault avait vraiment la chance qu'il n'habitait pas à l'équateur. Oui, c'est vrai. Mal sehen, was noch so drauf ist. Ach ja, ist ja schon das Ende. Was ist das denn für ein Ende? Danke fürs Zuhören. Die Zuschauer erhalten nun die Erlaubnis, ihre Begeisterung mit einem Klatschen zu verdeutlichen. Natürlich, weißt du das noch. Bon, il fait déjà très tard. Tu dois aller au lit.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la bioluminescence. Certaines parties de notre présentation seront en français, alors que d'autres seront en allemand. Pour que vous nous compreniez tout le temps, notre PowerPoint sera en français quand on parlera allemand et vice-versa. Donc, voici le sommaire. Nous allons commencer par vous raconter une histoire sur la bioluminescence. Puis, nous allons faire une petite mise en scène. Ensuite, nous allons vous parler des différents types de bioluminescence et finalement, nous vous expliquerons la réaction chimique. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine wissenschaftliche Reise nach Thailand. Paula und Charlotte sind nach einem langen Tag voller Abenteuer am Strand spazieren, als sie plötzlich ein ungewöhnliches blaues Schimmern des Meeres wahrnehmen. Schau mal, wie das Meer leuchtet. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, noch nie. Wie denkst du, passiert sowas? Weiß nicht. Lass es uns herausfinden. Am nächsten Tag gingen die zwei Freundinnen auf eine Bootsreise. Der Führer erklärte ihnen das Naturspektakel. Ah, die Bioluminescenz tritt also in verschiedenen Arten von Lebewesen auf. Ja, das blaue Licht trifft auch ein anderes Lebewesen und strahlt somit eine andere Farbe aus. Das ist oft rot, grün oder auch orange. Offenbar nutzen manche Tiere die Biolumineszenz, um ihre Beute anzulocken oder sich vor Feinden zu schützen. Andere Tiere können damit ihre Partner finden oder nutzen das Licht, um zu kommunizieren. Das ist wirklich voll interessant. In dieser Broschüre stehen noch viel mehr Infos drin. Zeig mal her. Das Leuchten des Meeres kommt von einer chemischen Reaktion im Plankton. Das nennt man dann Biolumineszenz. Ah, okay. Das Plankton enthält Enzyme namens Luciferin und Luciferase, die zusammen eine chemische Reaktion auslösen und dabei Licht abgeben. Hier steht auch drin, dass die Biolumineszenz eine wichtige Rolle in der Forschung spielt. Forscher nutzen die Biolumineszenz, um bestimmte Zellen oder Proteine zu markieren und ihre Forschung zu erleichtern. Hier in der Broschüre steht, dass sie nicht nur in der Tierwelt vorkommt, sondern auch in der Pflanzenwelt. Einige Pflanzen, wie zum Beispiel die Glühwürmchenpflanze, können Biolumineszenz auch erzeugen. Krass, wie viele verschiedene Arten von Lebewesen sowas können. Es gibt auch Pilze wie der Panellus dipticus, der Biolumineszenz erzeugen kann. Dieser Pilz ist auch als glühender Pilz bekannt und kann bei Nacht im Wald leuchten. Der herbe Zwergknäueling Panellus dipticus wurde in Australien, Pakistan, Nordasien, Nordamerika, Nordafrika und den Kanaren gefunden. Dass Biolumineszenz auch bei Pflanzen vorkommt, wusste ich nicht. Aber soweit ich weiß, ist sie bei Meerestieren am weitesten verbreitet. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Auf dieser Seite steht, dass es mindestens 1500 bekannte biolumineszente Fischarten gibt, darunter auch Haie und Drachenfische. Und Wissenschaftler entdecken ständig neue leuchtende Arten. Zu den bekanntesten Vertretern gehören Tiefseefische, wie die Anglerfische, deren Weibchen eine Angel mit einem leuchtenden Ende haben, mit der sie die Beute in die Nähe ihres gefährlichen Smalls locken. Der Zwergtintenfisch Euprymnos rolores leuchtet dank der biolumineszenten Bakterien, die in einem seiner Organe leben. Durch das Licht sind die Tintenfische an der Wasseroberfläche gut getarnt, wenn am Himmel der Mond scheint. Es schluckt ihren Schatten und macht sie so für Raubtiere quasi unsichtbar. Die Biolumineszenz ist also nicht nur schön anzusehen, sondern auch ganz schön praktisch für manche Lebewesen. Das war die Geschichte der Entdeckung der Biolumineszenz. Da wir euch das thailändische Meer schlecht mitbringen können, erzeugen wir jetzt mit Hilfe eines Experimentes Chemielumineszenz. Mit ein bisschen Fantasie könnt ihr euch hoffentlich vorstellen, wie das Meer ausgesehen haben muss. Die Lösung A, die ich in meiner Hand halte, besteht aus destilliertem Wasser, Natriumhydroxid und Luminol. Die Lösung B aus Kupfersulfat, destilliertem Wasser und Wasserstoffperoxid. Wir mischen jetzt jeweils 50 Milliliter der Lösung in ein gekühltes Gefäß, in das wir zuvor Kupfersulfat gegeben haben. Durch die Reaktion wird beim Zusammenmischen für ganz kurze Zeit das Leuchten dieser fluoreszenten Flüssigkeit zu sehen sein. Jetzt, ja. Danke. Falls man das jetzt vielleicht nicht so gut gesehen hat, haben wir zuvor auch noch ein Video der Reaktion aufgenommen. Il existe trois types de bioluminescence.
La première étant la bioluminescence intracellulaire. Certaines espèces pluricellulaires transmettent de la lumière à l'extérieur à travers de leur peau. Cette lumière est générée par des cellules spécialisées qui l'intensifient, comme par exemple les lucioles qui utilisent des cristaux d'urate pour renforcer la lumière. Les éléments permettant ce type de bioluminescence sont des photocytes, des cellules qui contiennent une structure particulière capable de produire la lumière, et les photophores, des organes électroluminescents présents dans les animaux marins, leur permettant d'émettre la lumière. Le deuxième type est la bioluminescence extracellulaire. Elle nécessite deux molécules, la luciférine et la luciférase. Le complexe synthétisé est stocké dans les glandes de la peau ou sous la peau. L'explosion du mélange réactif produit donc un nuage lumineux. Le dernier type est la symbiose des bactéries, qui sont des bactéries renfermées dans les photophores et qui vivent en symbiose, donc ensemble, et qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est le type le plus répandu chez les animaux. La réaction chimique. Chimiquement parlant, la bioluminescence est due à l'oxydation des substances dites luciférines qui dégagent de l'énergie sous forme de lumière et qui deviennent électroniquement instables lors de l'oxydation. Ces réactions sont catalysées par des enzymes dites luciférases. Après oxydation, les luciférines forment des oxyluciférines. Ces réactions sont extrêmement efficaces car 98% de l'énergie disponible est mise sous forme de lumière. C'est bien mieux que les lampes électriques à filaments dont le rendement énergétique n'est que de 2%, le reste étant perdu sous forme de chaleur. Maintenant, comme dernier point, je vais vous expliquer la réaction chimique de notre expérience. Quand on prépare la solution A, le luminol réagit avec la base de l'ion hydroxyde. Quand on mélange les solutions A et B, le luminol est oxydé en anion radicalaire par l'ion hexacyanoferrate. L'ion de hexacyanoferrate 3 joue ici à la fois le rôle de catalyseur pour la formation de l'ion radicalaire superoxyde O2- et celui d'oxydant de luminol. L'anion radicalaire luminol réagit alors avec l'anion radicalaire superoxyde O2-. Le composé résultant est instable et se décompose en azote et une forme excitée de l'ion aminophate. La forme excitée se désexcite ensuite en une forme stable et la différence d'énergie est émise sous forme de lumière. Das war unsere Präsentation über die Biolumineszenz. Wir hoffen, dass ihr damit was Kleines mitnehmen könnt von unserer wissenschaftlichen Reise und es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank. Hello everyone. I hope you're all doing as great as I am. I don't know how you're always so optimistic. Does nothing ever bring you down? Well, not really, but on the topic of bringing things down, have you ever heard of gravity? Of course I have. What did you take me for? Well, if you know so much, would you mind explaining it? No need to be rude. Basically, gravity is what keeps us all anchored to the planet we call Earth. What keeps us from floating away. Without it, there will be no life. Even though being able to float everywhere sounds better than having to walk. Oui, c'est vrai. Donc, la gravité est justement où il y a de la masse. Donc, ça peut aller d'un stylo à même une montagne. Mais la gravité, il n'y en a pas que sur Terre, mais il y a aussi autre part dans l'espace, donc par exemple sur le Soleil. Et c'est justement ce qui nous permet de tourner autour. Donc, tu es en train de me dire que tous les objets qui ont de la masse attirent les autres objets autour d'eux? Oui, c'est un peu ça. Donc moi, je t'attire. As I was saying, so gravity is there where mass is, but it's not the same everywhere. For example, on the moon, it's not the same here as here on Earth. So that's why on the moon, in movies, people can jump really high. Well, exactly, because the gravitational force putting them on the ground isn't the same. And it all depends on the size of the object you're standing on and its density. So the denser the object, the stronger the gravitational force. Pour dire ça simplement, la gravité va changer dépendant de l'objet. Sur un objet plus petit et moins dense comme la Lune, la gravité va être moins forte que sur Terre. Mais même sur le même objet, il y a des petits changements. Par exemple, ici sur Terre, si vous allez sur les pôles Nord ou le pôle Sud, la gravité est un peu plus forte. Mais si vous montez en haut du Mont Everest, par exemple, vous vous sentirez à peu près 200 grammes plus léger, même si votre poids ne change pas. Donc, si vous voulez perdre du poids, il faut juste aller vivre sur les Himalayas,
que vous allez avoir en quelque sorte l'illusion que vous êtes 200 grammes plus léger, alors qu'en réalité votre masse n'a pas du tout changé, mais la force qui vous attire sur Terre, elle n'a pas changé. So now I have a question for you. What do you think is the thing with the biggest gravity in the universe? Well, if I had to guess, I would say black holes. Oh, come on, I thought I had you there. You're right, black holes are the thing with the most gravity in the universe. They're so strong that not even light can get out of them, which is saying something, since light is the fastest thing in the universe. Well, just to give you guys an idea, for a rocket to get off Earth, it has to go at 11,000 meters per second, which is already a lot. And light goes at about 300 million meters per second. And for those who can't really imagine it, just think of the speed of a Star Wars rocket ship disappearing into space. That's the light of speed. And that's not even enough to get off a black hole. Yeah, those things are like, so clingy, it's horrible. And since light doesn't get out of them, you can't see them coming. So they just sneak up on you and never let you go afterwards. Donc avant qu'on continue, si quelqu'un vous demande si vous voulez aller dans un trou noir, vous allez définitivement dire que non. Mais si vous avez la malchance de rentrer dans un trou noir, voici ce qui arriverait. En premier, je tiens à dire que les trous noirs sont très compliqués. On ne sait pas tout sur eux, mais c'est ce qu'on sait, ou du moins ce qu'on pense qu'on sait. Donc, c'est pas le cas pour tous les trous noirs, mais certains trous noirs se forment après la mort d'une étoile très très grande, justement qui est plus grande même que notre Soleil. Et après cette mort, il y a toute la masse de cette étoile qui va s'effondrer sur elle-même. En gros, toute cette masse va être compressée dans un petit point. Et le fait qu'autant de masse soit compressée dans ce point fait créer un objet immensément dense. Et vu qu'on a dit que la gravité dépendait de la densité d'un objet, les trous noirs ont une gravité vraiment énorme. Donc, juste pour vous donner une idée de à quel point c'est compressé et super dense, un trou noir qui a à peu près la même masse que le Soleil va être environ 60 km de large, et c'est vraiment juste une heure de en voiture. So, the part of a black hole beyond which you can't get back out is called the event horizon. And since we don't really know what's beyond the event horizon, since nothing gets out of it, what we do is we observe the matter around the black hole and the effects the black hole has on it to be able to tell what it does and what it is. And the irony of a black hole is that the space around it is really, really bright, because all of the particles orbiting around the black hole, they go at a really, really high speed and they just end up heating up and shining, but you still can see the center of a black hole. Well, why? Because there's no light. Donc maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passerait si nous, avec nos petits corps humains, on entrait dans un trou noir? Donc, tout premièrement, on verrait la réflexion de nous-mêmes. Oui, c'est bizarre, ça serait comme un miroir en fait. Vu que la lumière, elle orbite autour du trou noir, notre reflet, en fait, il ferait le tour du trou noir et il se trouverait à côté de nous, comme un miroir. Et après, deuxièmement, on serait spaghettifié. Non, tu rigoles, c'est pas possible que ce soit ça le vrai terme. Si, c'est vraiment ça le vrai terme. En gros, vu que tes pieds ils sont plus proches du centre du trou noir que ta tête, tu vas juste être étiré et tu vas devenir un fin bit de plasma. Et tu seras étiré et juste vraiment très compressé. Pour vous donner une idée, c'est comme essayer d'entrer dans un petit tuyau tout fin et devoir devenir aussi fin qu'un spaghetti pour y entrer. C'est douloureux et franchement, je ne recommanderais pas l'expérience. Mais la spaghettification, elle n'est pas la même dans tous les trous noirs. Dans un trou noir qui serait donc beaucoup plus large, vu qu'il est justement plus large, on ne ressentirait pas autant justement cet effet de spaghettification. Et donc on peut vous montrer avec cette modélisation voilà. Donc imaginez-vous que ceci est le trou noir qui est plus large et ceci le trou noir qui est beaucoup plus fin. Et ça,
c'est vous. Donc pour entrer dans ce trou noir, il faudrait compresser et ensuite être étiré pour pouvoir rentrer dedans. Par contre, dans le trou noir qui est plus grand, c'est beaucoup plus simple. Hop. Et donc, ça veut dire que si un jour vous décidez d'aller dans un trou noir malgré nos avertissements, vaut mieux en choisir un gros. Donc, tu vas arrêter de leur faire peur ? Bah, écoute, c'est vrai, hein. Une fois dans un trou noir, même un gros, une fois que tu es dedans, il faut juste attendre et au bout d'un moment, on va se diriger vers le centre. Et voilà. Well, it's sad to say, but actually, when you get in a black hole, the only way you can survive is basically by doing nothing. Because every movement you do inside it is only going to bring you closer. So if you're in a black hole, just wait and don't do anything. And you're going to get to a point called singularity, where basically every single thing is just condensed in an infinitely dense place. Including you. Okay, so everything that is in this point called singularity loses every property it has. So every chemical and physical property. And basically, the only thing that a singularity has is a rotation, a mass, and an electrical charge. So actually, if you think about it, if inside every black hole there's singularity, and there are no physical and chemical properties, every black hole is basically the same. Yeah, they have like absolutely no personality. They're all just copying of each other. It's really sad to see. So basically, what? Are you telling me everything I've learned in physics class, it was asked for nothing? Well, yeah, basically. No law of physics works inside the singularity. It's like a space with no size, but infinite mass. It just makes zero sense. It's like dividing something by zero. It doesn't really work. And all those hours I spent studying for my tests. Okay. So, Alfred, we talked a lot, but we never really got to what we wanted to talk about. What would happen if you went into a black hole? How can you escape it? You can't. So this was for nothing. Pretty much. But, what? Well, for now it's for nothing. To get out of a black hole, you would have to go faster than the speed of light. And as most of us know, I'm sure, that is impossible, at least not now. Maybe one day it'll happen, but and even then, black holes are one of the most mysterious things in the universe, so we don't know what other effects they could have. Donc en fait, c'est un danger inévitable. Inévitable. Ensuite, c'est pas comme s'il y avait un trou noir à 2 mètres de la Terre. Le trou noir le plus proche de la Terre est à 14 757 trillions de kilomètres. Donc franchement... Ah ouais, quand même beaucoup de kilomètres. C'est beaucoup de kilomètres. Bon bah, c'est quand même, je pense que c'est quand même, enfin, c'est dommage qu'on sache pas autant sur les trous noirs. Enfin, c'est un mystère de l'univers. Bon, peut-être qu'un membre de notre merveilleux public se trouvera un jour la solution, on sait pas. Moi je pense que c'est moi qui vais trouver la solution. Ok, d'accord. Bonsoir mesdames et messieurs. Je me présente, je m'appelle Raphaël et j'adore les sciences. Je me pose tellement de questions qu'aujourd'hui je voudrais bien en partager une avec vous. Et vous l'avez sûrement tous déjà lu. C'est la question, c'est comment sait-on de quoi est fait le soleil? Und genau, also ich heiße Raphaël und ich liebe Wissenschaften und ich stelle mir so viele Fragen, dass ich heute eine mit euch teilen würde. Und ihr habt die Frage bestimmt schon alle gelesen. Die Frage lautet, wie weiß man, woraus die Sonne besteht? Découvrons d'abord le spectre. Donc le spectre n'est rien d'autre que de la lumière décomposée. Donc ici, j'ai fait l'expérience. On a une lampe qui sert de soleil artificiel, donc qui fait une lumière blanche. Et puis un prisme qui va servir à décomposer la lumière et un écran blanc pour projeter tout ça. Donc si maintenant j'allume la lampe, on obtient un spectre, donc les couleurs de l'arc-en-ciel, qui vont du rouge jusqu'au violet continuellement. C'est pour ça qu'on l'appelle un spectre continu. Et c'est Roger Bacon au XIIIe siècle qu'il a découvert qu'on peut faire passer
qu'on peut décomposer de la lumière à travers un verre en cristal. Si maintenant je baisse la chaleur de la lampe, parce que là la lampe est très chaude, si je touche, aïe, c'est presque brûlant. Donc si maintenant je descends la température de la lampe, on obtient un spectre très riche en rouge, et puis on voit que le violet, le bleu, le vert aussi un peu, ont totalement disparu. Donc on n'obtient plus que le rouge, et puis là la lampe n'est plus très chaude. Mais si je réchauffe nouveau la lampe, on obtient nouveau le spectre continu de tout à l'heure. C'est pour ça qu'on sait que le soleil aussi est très chaud. Voilà. Jetzt, wenn ich jetzt eine andere Lampe nehme, und zwar eine Kappendampflampe, die ein etwas blaues Licht machen, also wach, wie man so nach da hier sieht, und dieses blaue Licht dann durch das Prisma durchschickt, dann sieht man da ein anderes Spektrum mit schwarzen Strichen drin. Und da ja auch schwarze Striche drin sind, nennt man das ein Linienspektrum. So wird man jetzt nicht so viel sehen, deswegen würde ich jetzt jemanden aufrufen, zum Gucken kommen. Hier, Sie. Ich? Ja, genau. Kann ich? Ja. Ich hab's gedacht, du müsstest hier sein. Genau. Und was sind wir jetzt? Hier ist blau und grün, ein bisschen rot, oder? Genau. Und wie man sieht, wie man sieht, sind da wieder schwarze Striche drin, deswegen ist es genau ein Linienspektrum. Und da es ja von einer besonderen Lampe kommt, nennt man das ein Emissionsspektrum. Für die anderen, die es jetzt nicht so gut sehen können, habe ich es noch einmal da auf der Tafel angebildet. Genau. Ja. So, und das Allerwichtigste dabei ist, dass jedes chemische Element, wie hier zum Beispiel das Cadmium, hat ein anderes Spektrum. Hier habe ich ein paar Beispiele genommen, wie zum Beispiel Wasserstoff, Helium und Sauerstoff und Neon. Und wie man sehen kann, haben die alle ein anderes Spektrum. Man kann sagen, das ist ihr Personalausweis von ihrem Element. Donc, si maintenant je reprends ma lampe blanche de tout à l'heure, et puis que j'obtiens de nouveau le spectre continu, je vais y placer une petite cuve, là, en vert, transparente. Et puis que je vais prendre une solution de permanganate de potassium, qui est violette, et puis que je vais la remplir dans la cuve. On voit comment le vert, le jaune et le orange ont totalement disparu, et on dit que ça a été absorbé par la solution de permanganate de potassium. Voilà. Et ici, on voit encore une fois le spectre pour ceux qui ne peuvent pas bien voir parce que c'est pas très lumineux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est frappant entre ces deux spectres, entre le spectre d'absorption de l'hydrogène et le spectre d'émission de l'hydrogène? Et bien c'est tout simplement que les raies du spectre d'émission d'hydrogène sont complémentaires au spectre d'absorption de l'hydrogène. Voilà. So, was ist jetzt der Zusammenhang mit der eigentlichen Frage? Weil es ist schön, das alles zu wissen, aber wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet. Und zwar, da ist der deutsche Physiker Josef von Fraunhofer, der in 1814 das Spektroskop erfunden hat und damit hat er ein sehr genaues Sonnenspektrum herausbekommen und das man hier sehen kann. Also hier ist es ein bisschen vereinfacht, weil normalerweise ist es viel komplexer, aber da kann man es eben vereinfacht sehen. Genau.
Et puis pour la fin, il n'y a plus qu'à comparer différents spectres des différents éléments avec le spectre du Soleil. Et puis, chercher un peu les éléments qui sont présents dans le Soleil. Donc là, j'ai fait l'exemple avec l'hydrogène. On voit que les raies qui ont été absorbées par l'hydrogène sont aussi présentes dans le spectre du Soleil. Donc, c'est comme ça qu'on sait que dans le Soleil, il y a de l'hydrogène. Et c'est avec ces méthodes qu'on a aussi découvert d'autres éléments, comme par exemple l'hydrogène, qui est écrit en très grand parce qu'il y en a en très grande masse, après l'hélium, le fer, le néon, le silicium, le soufre, le magnésium, le carbone, et puis il y a aussi l'oxygène et l'azote. Mais là, il faut faire un peu attention car les rayons du soleil passent à travers l'atmosphère qui, eux, faussent aussi un peu le spectre du soleil. Et voilà. Et c'est comme ça aussi que je viens à la fin de mon exposé. Donc, merci pour votre attention. Alors, une cage de Faraday, c'est une enceinte faite d'un métal, donc un matériau conducteur, et qui sert à empêcher les champs électriques ou électromagnétiques de passer. Oh, das nervt. Wann wurde der Faradaysche Käfig erfunden und von wem? Der Faradaysche Käfig wurde 1836 von Michael Faraday erfunden. Und er wurde auch nach ihm benannt. Kann ich irgendwas dagegen tun? Ja, aber der Klingelton ist auch schrecklich. Naja, warte, ich denke mal nach. Wir könnten doch. Ich hab eine Idee. Wir könnten doch ein paar Fische Käfig bauen und dann das Handy hineinlegen. Dann sollte das doch die elektromagnetischen Wellen abschirmen, sodass das Handy nicht klingelt, oder? Stimmt. Komm, lass mal ausprobieren. Ich würde es nicht einfach lassen. Okay, sollen wir diesen Bilderwald hier nehmen? Ja. Okay, schieben wir auf. Ich lege noch eine Radiofolie drunter, damit der Käfig auch wirklich geschlossen ist und die Wellen nicht durchkommen. Okay, gleich haben wir wenigstens unsere Radiofolie. Okay, ich stecke nochmal rein. Okay. Und ich rufe dich gleich nochmal an. Willst du noch ausprobieren? Nee, schon gut. Okay. Es hat davon schon aufgeklingelt. Dann probier mal aus, mich anzurufen. So. Ich rufe dich jetzt mal an. Okay. Also ich rufe sie an. Und es passiert gar nichts. Also hat es funktioniert. Jetzt entwende ich unsere Ruhe vor ihr. Genau. Okay. Gab es noch... y avait pas encore quelque chose avec des éclairs aussi par hasard? Allez, viens. On pourrait essayer aussi des éclairs. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait peut-être prendre un prof. Non, c'est trop dangereux. Mais regarde, il y a des figures ici. Pourquoi pas ça? Ok. Donc cette fois, on peut utiliser cette plaque parce qu'elle est en métal et que ça fonctionne aussi. Mais vu qu'elle était peinte, on ne pouvait pas l'utiliser avant. Donc on va commencer par en mettre un dans la cage de Faraday et un qu'on va laisser à côté pour voir la différence. Ok. Ça va, je l'allume? Vas-y, tu peux y aller. Okay. Là, on voit ce qui se passe. On va essayer. C'est un peu proche. Oui. On voit bien que les cheveux vont en l'air, et alors ça veut dire qu'il n'y a pas de champ.
Je voudrais essayer avec celui dans notre cage. Vas-y. Ok. Ça va. Ça bien. Ça veut dire que le champ est nul dans la cage. Pas aussi un truc avec le fait que les ondes passent ou pas Oui. Ça fonctionne aussi avec ça, je pense. Pour calculer la longueur die Wellenlänge auszurechnen, gibt es eine Formel, das ist dann Lambda, also die Wellenlänge gleich c, die Geschwindigkeit durch die Frequenz. Willst du es anwenden? Nee, können wir später machen. Aber um zu erklären, wie das überhaupt funktioniert, also es ist so, dass beim Metall da viele Elektronen drin sind und dadurch, dass sie sich voneinander so wegschubsen, alle zur äußeren Grenze sozusagen gehen, also nach außen, und dadurch halt auch die ganzen elektromagnetischen oder elektrischen Felder abschirmen. Das kann man hier auch sehen, die Effekte vom Radiergitterkäfig. Hier ist es davor, bevor wir da überhaupt Elektrizität angewendet haben. Und hier haben wir dann Elektrizität reinfließen lassen. Und man sieht, dass wir hier die ganzen kleinen Kügelchen angereiht haben. Und hier drin hat sich nichts bewegt. Okay. Aber das ist schon ein bisschen langweilig. Gibt es noch, wird es irgendwie im echten Leben auch angewendet? Genau, also als Beispiel im Auto, kennst du sicherlich während dem Gewitter, bist du im Auto sicher, weil das Auto aus Metall besteht und als Faradayscher Käfig wirkt und dadurch die Blitze abschirmt. Aber im Auto kann man doch telefonieren, oder? Genau, dafür... Da kommt dann doch die Antenne ins Spiel, oder? Genau, sollen wir das einmal ausprobieren mit unserem mit dem Handy von vorher? Okay. Da können wir das einmal in Alufolie einwickeln. Aber wie lang muss die Antenne denn sein? Die Antenne muss so lang wie die Wellenlänge sein, das heißt in unserem Fall jetzt 15 cm. Warte, woher weißt du das denn? Das kann man ausrechnen mit der Formel, die ich dir vorhin genannt habe. Jetzt kann ich sie noch anwenden, oder? Genau. Also, die Frequenz, wie viel ist das nochmal von unseren Handys? Das waren, glaube ich, 1900 Megahertz. Ach, stimmt, du hast ja die ganze Linux-Anleitung auswendig gelernt. Naja, warte, und die Geschwindigkeit war auch dieselbe vom Licht und das waren? Soweit ich mich erinnere, 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Okay. Ja, also hattest du recht, das sind 15 Zentimeter. Perfekt. Das heißt, wir können es jetzt ausmessen, unsere Antenne muss mindestens 15 cm lang sein. Haben wir hier haben wir schon weit drüber, es müssen 20 sein, also reicht das. Das heißt, wir können das jetzt einmal in unsere Handyhülle reinmachen. Übrigens braucht man auch einen Isolierer. Da könnte man auch so eine Folie benutzen, aber da das Handy in der Handyhülle drum hat, die aus Plastik besteht, reicht das auch. Ich rufe mich dann gleich nochmal an. Okay. Ja, ich kann's mal ausprobieren, ob es wirklich durchkommt. Jetzt habe ich. Jetzt. Ja, jetzt. Das kommt durch. Sehr gut. Gut. Das heißt, wir können es jetzt einmal verpacken. So. Wir haben das jetzt gut verpackt. Die Antenne ist nicht so stabil, aber es klappt schon. Mal an. Mal sehen, ob es klappt. Es ist etwas kompliziert. Es braucht ein bisschen Zeit immer. Ja, das Deutsche. Das ist nicht so gut. Also,
Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Telefone früher, die hatten immer sehr, sehr lange Antennen. Mittlerweile braucht man nicht mehr so lange Antennen. Das reicht auch weniger, wie beispielsweise beim Auto. Ich habe encore beaucoup d'autres exemples de la vie quotidienne. Vraiment? Comme par exemple le micro-ondes. Ah, parfait, j'en ai même un. On peut l'essayer, non? Oui, bien sûr. Je veux juste que c'est une cage pour que les ondes ne passent pas le micro-ondes et qu'ils nuisent à la santé des humains. On peut peut-être mettre une figurine dedans, non? Oui, une dedans pour voir ce qui se passe et une à l'extérieur pour voir la différence. Mais on voit que le micro-ondes, pas comme avant notre corbeille, est fait de 6 parois. Ces 6 parois ne sont pas toutes les mêmes. Regarde, il y en a 5 en métal, donc 2 plaques métalliques, et une en verre. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il doit y avoir un grillage dedans qui va empêcher les ondes de passer. Attends, on va voir si ça fonctionne pas. Ok. Oui. Alors celui-là, normalement, il ne devrait faire rien. Et... Et donc nous avons vu que ça fonctionne. Et ça c'est dû au fait que justement les ondes du micro-ondes sont beaucoup plus grandes que celles de la lumière. Et donc on voit bien que les ondes du micro-ondes sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges que celles de la lumière. Et donc ici les mailles doivent être beaucoup plus petites, ne doivent pas être si petites que ça. Elles sont donc assez grandes, si on veut les sentir comme ça, pour laisser passer les ondes de la lumière. Et donc c'est comme ça que vous pouvez voir vos repas vous se réchauffer sans être exposé aux ondes du micro-ondes. Voilà, c'est pour ça que auszutricken. Echt? Devi? Lass mich mal, mit einem Paradeichen-Käfig. Genau. Weißt du vielleicht, Blitzer funktionieren mit Infrarotstrahlen. Das heißt, wenn du um den Sensor eine Alufolie wickelst, werden die Infrarotstrahlen abgeschirmt und der Blitzer blitzt ja nicht. Das heißt, man kann so schnell fahren, wie man will. Cool. Mach ich nächstes Mal. Ja. Okay, lass uns jetzt weiterlernen. Genau. C'est horrible. Écoute, là, l'accord là, il est beaucoup plus simple et il sonne plus beau. Ja, das klingt ja viel schöner, wie hast du das gemacht? Ben, en fait, c'est simple. D'abord, faut comprendre ce que c'est un son. Un son, c'est une vibration qui se déplace à travers l'air. Regarde. Ça, c'est un son. Attends, je te le montre autrement. Ça, c'est un diapason. Ça sert normalement à accorder un instrument. Et ça vibre. Donc ça, c'est un son. Ich kann aber absolut nichts hören. Bon, si tu peux rien entendre, c'est normal. C'est parce que ça vibre beaucoup trop doucement. Si t'étais un éléphant, par contre, tu l'entendrais. Parce que les éléphants, ils ont des grandes oreilles. Et donc, bah, logiquement, ils peuvent entendre des ondes plus grandes. Et donc, des battements plus petits. Donc là, j'en ai un autre. Celui-là... Tu vas entendre quelque chose? Ja, jetzt höre ich ein bisschen was. Mais eux là, ils n'entendent rien.
J'en ai encore un autre. Et si tu arrives à faire 82 vibrations en une seconde, ben ça fait la note de mi, cette note là. Mais quand tu joues cette note là, on joue pas que 82 vibrations par seconde, mais aussi le double. Donc cette note là, écoute, elle sonne à l'unisson. Aussi le triple, donc 246 vibrations par seconde. Et le quadruple, 328 vibrations par seconde. Ah ouais, jetzt verstehe ich es besser. Ich kann dir auch erklären, warum das so ist. Also, du hast mir gesagt, dass diese Seite 82 Mal pro Sekunde vibriert. Ja. Aber das ist nur... Nachgang. Ja, okay. Nachgang. Okay, also. Ja, noch non, mais c'est le point. Du hast mir erklärt, dass diese Seite 82 Mal pro Sekunde vibriert. Ja. Aber das ist nur im oberen Fall. Sie vibriert auch wie unten, bei der Hälfte von der Seite, mit der doppelten Frequenz. Und auch im dritten Fall mit der dreifachen, vierfachen, fünffachen und so weiter. Der Akkord, den du mir vorhin vorgespielt hast, enthält alle diese Noten, die im Grundton versteckt sind. Und somit kommst du und verstärkst diese Harmonien und deswegen klingt dein Akkord so schön und so voll. Und das gilt für alle Akkorde, die gut zusammen klingen. Attends, mais ça je connais, c'est le prélude en Do majeur de Bach. Attends. C'est qu'une succession d'accords en fait, c'est juste qu'ils ont été décomposés. C'est pour ça qu'ils sonnent bien. Genau. Merci pour votre attention. Oh, hello, great to see you, Gabriel. Great to see you too, Quentin. So tell me, why did you bring me here? Honestly, I've got a big problem. I don't know if I really want to talk about it. You want to sit, maybe? Yeah, that's it. Come on. So tell me everything, man. I'm not really sure I want to talk about this. You know, this is like a lot for me and... We're friends since 5 years. Come on, tell me everything, man. Yeah, it's true. You've been there since the beginning. Alright, well, basically, I got diagnosed with cancer and I don't really know what to do. I feel so bad for you, man. Yeah, thank you. I don't know what to say. But, you know, a few weeks ago, I saw in the news that they have a new way to cure cancer. There's no way. What? Yeah. This could really be a lifesaver for me, you know that. You wanna... Wait, I have my phone. I have the video right here. Wait, you wanna... yeah, let's look at it. Yeah. Yeah, come on. Hello, today we're in front of a major laboratory that, yes, from the earliest news, might have found a way to cure cancer. Yes, of course, they are just working on it and it's not official, but it's a big progress for science. So as we know, cancer kills millions of people each year and this could save a lot of lives. We will go more into details throughout the entire interview, but the main concept would be fix/heal cancer with AIDS. Let's now meet the scientist who's at the head of this research. Nous sommes maintenant dans le laboratoire du scientifique Jean-Jacques. Jean-Jacques, dites-nous plus du cancer. En tant que scientifique, je peux expliquer le cancer comme une maladie complexe et multiforme caractérisée par une croissance, une division cellulaire incontrôlée. Dans des circonstances normales, nos cellules sont dotées de mécanismes de régulation stricts qui garantissent une croissance, une division et une mort correcte. Cependant, lorsque ces mécanismes fonctionnent mal, les cellules peuvent se diviser et se multiplier de manière excessive, formant une masse de cellules anormales appelées tumeurs. Cancer can occur in various parts of the body.
and can be characterized into different types based on the cell or tissue where it originates. Cancer can occur in various parts of the body and can be characterized into different types based on the cell or tissue where it originates. Some common types of cancer include breast cancer, lung cancer, colon cancer, and leukemia. Many other more. Examinons maintenant la relation entre le cancer et la protéine appelée P53. La P53 est une protéine suppresseur de tumeurs cruciale présente dans nos cellules. Elle joue un rôle important dans la prévention de la formation de cellules cancéreuses en régulant la division cellulaire et en empêchant la propagation de l'ADN endommagé. Dans des conditions normales, lorsqu'une cellule subit des dommages à l'ADN ou d'autres types de stress, la P53 est activée. Cette activation permet à P53 d'arrêter le cycle cellulaire, ce qui permet à la cellule de réparer les dommages causés à l'ADN, avant de continuer à se diviser. Si la lésion de l'ADN est irréparable, P53 peut introduire une mort cellulaire programmée, connue sous le nom d'apoptose, afin d'éliminer la cellule endommagée. However, in many cancer cases, the P53 chain itself becomes mutated or altered. This mutation can disrupt the normal functioning of the P53 protein, rendering it ineffective or non-functional. When P53 is compromised, damaged cells are not properly eliminated, and the cell cycle continues unchecked, leading to the accumulation of genetic errors and the death of cancer. Whoa, this really helped me. Whoa, I understood cancer way better now. So, cancer is a complex disease that's related to the abnormal growth and division of cells in the body. Did you understand that? Nope. Oh my god. Really not. Donc en fait, attends, je vais essayer de trouver un exemple facile pour toi. Imaginons que ton corps, c'est comme une imprimante, tu vois? Bah oui, je sais qu'est-ce que c'est une imprimante. Ok. Et que les cellules dans ton corps sont comme des cartouches d'encre. Oui. Ok. So, in a healthy printer, each cartridge function properly and contribute to the printing process. Mm-hmm. This is like in your body with your cells, right? They grow and divide in a controlled manner. However, in cancer, sometimes something goes wrong with the ink cartridges. They start to malfunction and replicate themselves excessively, which causes a mass called a tumor. This would be similar to like a printer with malfunctioning ink cartridges, and they would cause like smudges or errors on the printed output. Si le cancer n'est pas guéri, si le cancer est non traité, il peut se propager à d'autres parties du corps. Ce qui est similaire à une imprimante défectueuse qui étalerait l'encre partout sur des feuilles ou sur des documents qu'on imprimerait. Et donc voilà. As-tu compris? Je pense que oui, j'ai compris. But now, I didn't really understand anything about the part 2 of the video, so can you tell me more about that? P53? Yeah. I think with all the information, I can understand it now. So, imagine P53 like a superhero, you know, like okay. Superman. Everybody yeah. knows Superman, right? Yeah, thank you. And, you know, a superhero needs to fight against the villains. Yes. So, P53 gonna fight against abnormal or bad cells that could turn into cancer. And the other part is P53 keeps an eye on the cells and make sure they behave good. So now the question is, how can he defend against the villains? I mean, he defends himself against with actually a superpower called apoptosis. Mm. This apoptosis can destruct actually the whole cell. Okay. Like a bad cell, you know. Yeah. So imagine if A damaged DNA blueprint cell is damaged, mm-hmm. So the P53 would know it and would activate the apoptosis to kill this cell, so that our body keeps be healthy and that we're good to live.
Ok. Donc en gros, si t'as toujours pas compris, je pense. Oui, j'ai compris. Ouais, non, je pense pas. Ok, d'accord. Donc, la P53 est le super-héros dans notre corps qui nous défend contre les vilains, comme par exemple les cellules mâles ou les cellules cancéreuses. Et grâce à cela, donc, on reste en vie et on reste en bonne santé. Ok. Yeah, I understand a lot more better now. Can we keep watching, yeah? Yeah, of course, man. Ok. Yeah, so tell me more about P53 and how much you weigh. So I'm going to go back over what's P53. The P53 protein is responsible for controlling cell division. In the event of an error during this division, the protein halts the process, corrects the error, and restarts the division. If the protein is unable to correct the defect, it initiates the elimination of these abnormal cells through apoptosis, which is the process of cell death. In the case of cancer, there is a mutation in the P53 gene, as well as in the apoptosis process. This mutation allows cancerous cells to grow and spread. Consequently, there is an accumulation of these cancer cells that cannot be corrected by P53 or destroyed through apoptosis. The goal, therefore, is to correct the mutation in this protein in order to stop cancer. If we can correct the gene that encodes this protein, we will have a properly functioning P53 protein that can halt the growth of cancer cells. However, reaching the gene itself is a challenge. One of the alternatives that can help us reach the gene is through retroviruses such as HIV/AIDS. HIV could serve as a carrier of the correct genetic code. For P53 to repair the faulty code, which results in a P53 protein that is incapable of halting division of cancerous cells. Well, again, don't make fun of me, but I didn't really understand anything, so... You didn't understand anything. Yeah. It was pretty clear. No, it really wasn't to me. Should I explain it? Yes, go ahead. Oh, okay. I'm sorry. So, imagine if we put all the bad stuff out of the VAH cell. So, you know, AIDS. Not technically AIDS, but yes. And we put then an REN code in it. So, that this REN code could recode the P53 so it can rework, actually. So yeah, yes. So thanks. And now imagine if we put the VAH cell into our body. The VAH cell would infiltrate our body thanks to its retrovirus function. And I mean, it's like hacking a PC. Maybe it's hard, but he can do it. And it's actually thanks to his transcriptase thing that you can go into the body. Where? I forgot some stuff, sorry. Yeah, so this is his transcriptase phase where he can go into the cell. Donc, tout ceci dit, ça veut dire que la cellule VIH est maintenant dans notre corps, mais aussi dans nos cellules. Qui veut dire en fait qu'il pourrait donc recoder la P53. Et la P53 pourrait donc refonctionner. Ce qui veut dire alors que si la P53 refonctionne, alors... Pardon, je suis en retard. Ça veut dire que la P53 pourrait donc arrêter la division cellulaire pour qu'il n'y ait plus de copies de cellules qui sont cancéreuses ou mâles, et donc activer l'apoptose pour tuer le reste. Ce qui veut dire à la fin qu'en fait, il n'y aurait plus de tumeur, donc plus de cancer. Oh, okay. Yes, I understood. This is really clear. This really blows my mind. Wow. I would have never thought of that. Thank you very much. Should keep watching the video. Yeah, let's keep watching. Yeah.
thank you. Now I hope this helped a lot of people. I will now go. Bye bye. Have a great day. Bye. Einen Zeitsprung zurück in mehrere Jahre vor Christus machen. Hier seht ihr unseren chinesischen Koch Chan Henry. Er experimentiert. Er experimentiert mit neuen, mysteriösen orientalischen Gewürzen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Verschiedene Experimente und verschiedene neue Gerichte. Oh, quelle belle couleur! Gezeigt hat, wird mehrere Jahre später noch zum Brauch werden. Aujourd'hui, on va vous parler de feu d'artifice. Notre cuisinier Chan Henry vient de reproduire une scène mythique. D'après celui-ci, un cuisinier aurait inventé par hasard quelque chose de similaire à un feu d'artifice alors qu'il cuisinait. Mais qu'est-ce qu'un feu d'artifice? Un Feuerwerk ist eine Mischung aus mehreren verschiedenen Chemikalien zusammengesteckt in einem Feuerwerkskörper. Dieser wird dann anschließend dank seiner Zündschnur in die Luft gejagt. Okay. Wir werden euch jetzt mehrere Sachen vorführen, und zwar einmal anhand von Natrium. Hat einer von euch ein zerknülltes Taschentuch? Ja. 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 So, die Elemente, die zu einer Flammenverfärbung fähig sind, senden bei einer Flammentemperatur von etwa 1100 Grad Celsius Licht aus. Das Natriumatom besteht aus mehreren verschiedenen Elektronen, welche sich auf mehreren verschiedenen Schalen verteilen. Grâce à la flamme, les atomes de sodium subissent une augmentation de température. Les électrons se déplacent ainsi et peuvent s'élever à une couche supérieure. C'est l'état excité. Cependant, cet état ne dure généralement pas longtemps, de sorte que les électrons retournent vers leur couche initiale. C'est l'état fondamental. Lors de ce processus, de l'énergie est libérée sous forme de lumière, c'est-à-dire de photons. So ähnlich, sprich, bei so einer ähnlichen Reaktion hätte das damals alles ablaufen können. Wir werden euch das jetzt auch noch mit anderen Salzen vorführen. Und zwar schüttet man zum Beispiel Kaliumchlorid in eine Feuerflamme, verfärbt sich diese leicht rosa. Das liegt daran, dass das Alkalimetall Kalium auffindbar in dem Salz Kaliumchlorid ist und dieses sich bei einer Reaktion mit einer Flamme verfärbt. Daraus resultiert dann Kaliumchlorat. Aussi, le chlorure de cuivre émet une flamme colorée turquoise. Tous les trois sont des sels ionisés. Guckt euch diese wunderschönen Farben an. Sind sie nicht schön? Und bunt natürlich. Wir müssen noch kurz warten, bis die Flamme ausgeht.
Also genießt den wunderschönen Anblick. Mais bien sûr, nous allons pas vous priver d'une explosion. Nous allons donc vous montrer une explosion entre un métal et un non-métal. Dans ce cas, le zinc et le soufre. Maintenant, nous allons voir comment il réagit sous forme exothermique. Das kann ein bisschen dauern, weil die Zink und Schwefel erstmal miteinander reagieren müssen. Ist das richtig? Ja. Wir hoffen, dass es funktioniert. Chemie ist nämlich unberechenbar. Wenn nicht, wir haben noch ein Video für euch. Also, ja. Feuerfarbenpulver. 12,90 € bei Kaufland. Ich wurde leider nicht dafür bezahlt, aber ich hoffe, es war ein Versuch wert. Ihr könnt es nämlich einfach in den Kamin werfen. Also nicht werfen, aber ihr könnt ein bisschen davon reinschütten oder auch ans Lagerfeuer. Das macht dann eure wunderschönen Kaminflamme oder eure Lagerfeuer bunt. Ich kaufe das. Also, das Pulver ist nicht schädlich, ihr könnt euch das wirklich kaufen. Wir behalten es auf jeden Fall und wir empfehlen es auch. Cette poudre à feu colorée est composée de beaucoup de sels, notamment le sulfate de cuivre et le carbonate de cuivre. Ils servent de coloration multicolore. Ohne Chemie würde also, wie auch immer, nichts funktionieren. Und wahrscheinlich auch nicht ohne einen tollpatschigen Koch aus China. Wir sind auch schon fast fertig, aber noch nicht ganz. Nämlich, mein Kollege hat euch noch was zu erzählen. Exactement. Comme vous le voyez sur la présentation, la fumée est un réel désavantage des feux d'artifice. Les bruits sont souvent très nuisants et les déchets produits sont nombreux. Deswegen arbeiten wir ja heutzutage schon an ökologischen und umweltfreundlichen Alternativen wie das Drohnenfeuerwerk. Das hier ist in China.
dass wir euch über die Funktionsweisen von Flammenverfärbungen aufklären konnten und dass es euch gefallen hat.